Nananana, j'ai plus de bébés pinipones que toi. Nananana, mais enfin, qu'est-ce que tu dis, Noé? Oh, ils sont à toutes les deux. Maman dit qu'on doit tout partager. Oh, et j'ai fait tomber mon bébé pinipone. Les filles, ah, oh, vous êtes en train de jouer avec les pinipones. Oh, super, oh, je l'adore celle-ci. Vous changez les cheveux, etc. Oh, j'adore, et moi aussi jouer avec les pinipones quand j'étais petite. Oh là là, ça me manque. Ah, oui maman, j'adore jouer aussi avec les pinipones, mais je suis très en colère parce que Noé dit qu'ils sont tous à elle. Ah, non, Noé, tu dis toujours que tout est à toi. Bah, oui maman, c'est parce que tout est à moi. Non, vous devez partager. De toute façon, il faut les ranger parce que nous allons chez les nouveaux voisins. Oh, oui, et oui, et vous savez quoi? Ils ont 2 enfants. Des triplés. Des quoi? Des triplés. Vous êtes jumelles. Vous êtes nés le même jour. Vous ne vous ressemblez pas, d'accord? Mais vous êtes nés le même jour. Elles sont nées le même jour, mais toutes les trois, et elles se ressemblent. Ah, génial, maman, j'adore m'occuper des enfants. Oh là là, ouais, mais je suis sûre que ça va être vraiment ennuyeux parce qu'elles ont qu'à des trucs de bébé. Attends, Noé, on ne sait pas encore. Il ne faut pas juger avant de savoir, d'accord? Aujourd'hui, nous allons les emmener à un cours de natation. Ok, elles marchent, etc. Elles ont encore des couches, mais elles marchent, d'accord? Donc, elles ne passent pas leur journée à pleurer. Oh, ouais. Je sais pas si t'aimes bien. Oh, si, moi, j'adore m'occuper des bébés. Je vais t'aider, maman. Très bien. Mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous baigner, les filles, d'accord? Vous êtes en train de récupérer de votre gastro. Alors, non. Oh, non, me le rappelle pas, ça va être trop mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Bien, les filles. Allez, avant de partir, du coup, nous rangeons les pinipones, d'accord? Comme c'est tout petit et que j'ai peur que vous me perdiez des accessoires, les cheveux, les barrettes, les bracelets, etc. J'ai acheté cette petite boîte. Vous avez vu comme elle est mignonne avec les petits bébés dessus qui cuisinent avec les ballons. Bon. Du coup, on met tous les pinipones à l'intérieur. Comme ça, on ne les perd pas. Et vous vous souviendrez que tout est dans cette boîte. D'accord? Tiens, hop, je te prends celui-là. D'accord, maman? Et voilà, bon. Et pour les triplés, elles s'appellent... Arrête, remets-toi. Elles s'appellent Sarah, Mara et Lara. D'accord? Oh, c'est rigolo, elles ont des prénoms qui riment. Ben, comme nous, on s'appelle presque pareil. Noah et Noé. Non. Moi, je ne m'appelle pas du tout Noé. Je m'appelle Noémie. Mais tout le monde m'appelle Noé. Mais c'est Noémie. Oui, bah, du coup, tu t'appelles Noé. Noé. Non, je m'appelle Noémie. D'accord, les filles, d'accord. Calmez-vous. Regardez ce que leur maman m'a apporté. Elle m'a donné leur sac de piscine. Oh, on peut voir ce qu'il y a dedans. Oui, on va regarder juste pour savoir s'il ne manque rien pour pouvoir le dire à leur maman, d'accord? Elle est jolie, cette petite coccinelle. Hein? Alors, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Oh, ça c'est leur serviette de bain. Oh, elle est trop jolie. Regardez-moi ça. Avec les petits papillons. Trop mignon. 1, 2 et 3. Très bien, donc ça, c'est bon, il y en a 3. Ensuite, ben oui, donc il y en a 1 maillot de bain, 2 maillots de bain, ah, des bouées. D'ailleurs, il n'y a que 2 bouées, tiens. Ah, il faudrait peut-être que je lui dise qu'il manque 2 bouées. Et le troisième maillot de bain était... Ah oui, le troisième maillot de bain est par terre. Du shampoing pour se laver, c'est bon. Une petite éponge pour bien se nettoyer. Du gel douche. Oh, je pense que tout est là. Oh, ils sont vraiment très mignons, ce petit maillot de bain, une pièce. Donc voilà, 1, 2, 3. Parfait. Les 3 serviettes, c'est bon. Il faut que je dise à leur maman qu'il manque une petite bouée. Oh, elles ont sonné à la porte. Je suis trop contente de les rencontrer. Pas toi? Oh, franchement, je sais pas trop. Oh, moi, je suis sûre que ça va être vraiment kikinant. C'est des bébés. Tu dis pas ça, Noé, enfin, avec la cousine étoile, on s'amuse super bien. Oui, c'est vrai, mais elle est quand même grande, elle. Bah non, c'est encore un bébé. Ah, oh, je sais pas trop. Oh, regarde, elles arrivent là-bas. Ah là 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 là. Eh, salut. Oh, bah t'es pas trop un bébé, alors. Oh, ça va, je pensais que t'étais un bébé, en fait. Quoi? À qui est-ce que tu dis que tu es un bébé, toi? Oh non, pardon, mais c'est parce que je te pensais plus petite, en fait. Oh. Non, je suis pas petite, j'ai presque des gens. Je suis super grande. Bah non, t'as encore un bébé, hein. Hein? Quoi? À
qui tu dis que je suis un bébé? Hein, attention, hein, je vais tirer les couettes, moi. Maman! Qu'est-ce qui se passe, Noé? Je suis en train de dire au revoir à la maman des triplés. Oui, mais maman, elle m'a tiré la couette. Oh, c'est vrai, mademoiselle, tu as tiré la couette de Noé? Oui, je crois bien que c'est vrai. Oui. Mais c'est parce qu'elle m'a dit que j'étais un bébé, alors j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je lui tire la couette. Oh, c'est vrai, Noé? Oui, mais maman, c'est vrai, c'est un bébé. Oh, je suis pas... Non, Noé, tu ne dois pas dire ça. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle bébé, toi. Oui, c'est vrai, je suis pas un bébé, hein. J'ai presque 2 ans. Et bon, d'accord, je prends encore des couches, ok, mais c'est pas très grave. Tu as raison, Mara, ce n'est pas très grave. Bon, dis donc, il faudra que tu nous présentes à tes sœurs, hein, parce que vous ressemblez énormément. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous reconnaître. Oh non, non, en fait, on se ressemble pas du tout, du tout. Par exemple, moi, j'aime bien sauter, monter dans les arbres, courir, faire des galipettes, etc. Mes sœurs, non, elles n'aiment pas ça du tout, du tout. Oh, ah oui? Eh bien, présente-nous tes sœurs, d'accord? Lara, Sarah. Mais ne me pousse pas, allez. Allez, Sarah, avance. Mais ne me pousse pas. Allez, avance. Mais ne me pousse pas. Oh, qu'est-ce que tu es jolie! Alors, tu es Sarah, c'est ça? C'est parce qu'elle est très très timide. Allez, dis oui. Ne t'inquiète pas, Sarah. Oh, ne t'inquiète pas, ma belle. Moi aussi, j'étais très timide quand j'étais petite. On sera amies toutes les deux, d'accord? On sera toutes amies. Mais enfin, Sarah, dit quelque chose. Ils vont penser que tu ne sais même pas parler. Oh là là! Bonjour, je m'appelle Sarah. Oh, bonjour Sarah, tu es ravissante, j'aime beaucoup ton nœud. Oh, elle est vraiment trop timide, oh là là. Et voilà Lara, la troisième. Oh, bonjour Lara. On m'a dit que tu étais une grosse dormeuse et que tu ne parlais pas encore beaucoup. Ah non, elle dit pas du tout de mots. Bon, elle pleure tout le temps, elle dit des trucs de bébé, mais oh, pour l'instant, je ne la vois pas pleurer, moi. Elle a l'air très très sage, cette petite fille. Voilà, elle s'endort. Bon, il va falloir... Oh oui, je sais. On va aller à la piscine. Oh, on adore. Oui. On va aller à la piscine et je ne veux pas que vous arriviez en retard, donc on va partir tout de suite, d'accord? Oh, on adore aller à la piscine, c'est génial, on nous emmène depuis qu'on est toute petite, vous savez. Nous, on est dans une grande piscine d'eau, on est nés dedans, oui. Waouh, mais c'est trop bien. Oh, t'es née dans une piscine d'eau, waouh. Maman, pourquoi nous on n'est pas nés dans une piscine d'eau, hein? Pourquoi? Je ne sais pas, Noé, tu es née dans un hôpital ordinaire. Un hôpital ordinaire, bah, c'est trop nul. Mais alors, c'était comment de naître dans une piscine, alors? Ah, bah, c'était vraiment génial, merveilleux, spectaculaire. Oh là là. Bon, évidemment, je suis sortie la première. Je suis la plus grande de toutes les trois, oui. Mais, bah, enfin, vous êtes toutes les trois des bébés, vous êtes exactement pareil. Ah, tu veux recommencer à m'appeler un bébé? Hein? Attention, hein? Bon, enfin bref. Du coup, quand je suis sortie du ventre de ma maman, et bah, j'ai nagé dans une piscine entière et une deuxième piscine. Noé, ne crois pas du tout ce que dit ma sœur. Tu sais, on était vraiment de très petits bébés. On ne se souvient de rien du tout. Pardon? Peut-être que toi, tu te souviens de rien. Mais alors moi, je me souviens de tout. Je te dis que j'ai nagé comme une sirène à travers les eaux de la piscine. Et oui, j'ai nagé telle une sirène. C'est pour ça que je nage super bien aujourd'hui. Fais dodo, ma belle petite voisine, fais dodo. T'as vu maman? Elle s'est endormie dans mes bras. Je crois que je vais vraiment adorer d'avoir des voisines bébés comme ça pour pouvoir m'en occuper. Je sais ma chérie. Bon, allez, on se dirige à la piscine mon cœur. On y va. Oh maman, allez, l'eau est super appétissante. T'es sûre qu'on peut pas encore se baigner? S'il te plaît. Ah oh, non ma chérie, vous ne pouvez pas, vous risqueriez de fragiliser votre petit bidon, d'accord? Oh, moi c'est pas très grave parce que comme je sais pas trop bien nager, de toute façon j'aime pas trop la piscine. Je sais Noé, je sais ça, mais il va falloir que tu viennes au cours de natation, hein. Tu vas voir comment nagent très bien les triplés, c'est leur maman qui me l'a dit. Je vais voir si elles sont prêtes, d'accord? Ne bougez pas de là. Alors, madame, je suis en train d'aider mes petites sœurs à mettre leur maillot de bain, donc c'est pour ça que je suis pas encore prête, d'accord? Mais elles sont presque prêtes. Et après, moi, je mets mon maillot de bain. Oh, très bien. C'est vrai que c'est un peu dur de mettre le maillot de bain. Bah, après, oui, mais non. Pour moi, c'est vraiment très, très facile. Je le mets toute seule, il n'y a aucun problème. D'accord? Et puis, du coup, moi, j'ai pas besoin de bouée parce que je suis grande et que les bouées, ce sont pour les tout petits. Hein? Par exemple, les tout petits qui ont besoin de bouée comme toi, qui ne sais pas nager.
Oh, dis donc, mademoiselle, n'embête pas Noé. Chacun doit aller à son rythme, d'accord? Elle va apprendre vite à nager, d'accord? Oh, bah, il faudrait qu'elle vienne au cours de natation, d'accord? Regarde un peu comment je fais. Tu prends-en de la graine, ma grande. Waouh! Qu'est-ce que vous nagez bien, les filles! Et toi, Mara, sans bouée, sans frites! Oh, bravo! Oh là là! On voit que vous avez pris des cours de natation, hein, c'est super! Continuez comme ça! Moi, je nage toute seule, je suis une sirène, je suis dans l'océan. Oh, et vous nagez même la tête en bas. Qu'est-ce que vous êtes mignonnes, les triplés. On dirait de vraies petites grenouilles. Oh là là, j'adore, c'est trop mignon. Et attends. Avant de partir, écris en commentaire laquelle des triplés tu as préférée. Sarah, Lara ou Mara? Oh oui, et puis si tu veux voir plus de nos vidéos, appuie sur celles qui sont au-dessus de nos têtes et inscris-toi à la chaîne, c'est complètement gratuit. À bientôt.